J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo, nabasamo. Dieu, il fait un miracle dans Sébastien, Ebi, Yves Nazaire. Adore ensemble le Seigneur. Célébrons-le pour sa miséricorde, pour son amour. Disons-lui combien de fois nous l'aimons, combien de fois nous sommes heureux d'être en sa compagnie. Adore le Seigneur. Yves Nazaire, Dali, Carol, Jacquité, Yves Assassi, Yao, Ernest, Kwasi, Aïcha, Salobo. Babé, Marie, Chengen, Banto, Edwin, Jadier, Carol, Diakité, Reboitier, Corée, Larissa, Christelle, réagissez en direct, envoyez vos requêtes de prière, maîtrisons la nuit pour que la journée nous soit favorable. Célébrons-le, élevons vers lui des mains sanctifiées et rendons-lui lui la gloire et l'adoration. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour cette adoration qui nous fait du bien. Bien-aimés, équipés par le Seigneur, remercions-le pour la fin de la journée. N'oublions pas, merci, ce mot est l'expression d'un cœur joyeux et reconnaissant. Merci Seigneur trois fois. Merci, merci et merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, après nos remerciements pour toutes les choses, pour tous les actes que nous avons pu faire moins bien, répondons-nous sincèrement pour nous qualifier à entrer en guerre. Parce que n'oubliez pas, on n'envoie pas des blessés en guerre. C'est pourquoi la repentance est le moyen pour nous restaurer et pour nous guérir. Mais surtout, pour guérir notre relation avec celui qui combat pour nous. Et nous sommes vainqueurs. Et la parole que le Saint-Esprit a mis à notre cœur ce soir, une petite phrase, mais qui est chargée d'électricité prophétique et de valeur curative. Psaume 13, verset 2. Psaume 13, verset 2. David dit encore, jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Bien-aimé, si tu ne veux pas que Dieu te cache sa face, fais avec moi cette prière de repentance en n'oubliant pas qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une autorité dans le sang de Jésus. Et il y a une force dans le sang de Jésus. Sang de Jésus, trois fois nous prions. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Sang de Jésus. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je plonge tout mon être dans ton sang. Et pour toute la foi, et surtout en cette journée où je me suis éloigné de toi, où j'ai dit des paroles d'impureté, où j'ai eu des pensées de calomnie et de désobéissance, où j'ai eu dans mon cœur des sentiments de destruction, pour tous ces péchés que j'ai eu à connaître et qui ont souillé mon âme, j'implore ton pardon. Comme dit le psalmiste, Seigneur, pitié et miséricorde. Et comme dit le fort prodigue, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Accorde-moi donc ton pardon dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vous ai dit le soir, il n'y a pas de repentance sans renoncement. C'est pourquoi là où vous êtes, élevons toujours la main droite en signe d'autorité. Et après cette repentance, renonçons violemment à toutes ces choses qui nous appellent,
qui nous attire et qui nous revendique. Sang de Jésus trois fois, feu du Saint-Esprit trois fois, nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, renonçons ensemble. Seigneur Jésus, ce soir encore, devant ta face et devant tout le monde spirituel qui m'écoute, qui analyse mes paroles et qui s'apprête à s'engager selon les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, je proclame sous la couverture de ton sang et du feu de ton esprit que ce soit encore, je renonce à tout péché sexuel auquel j'ai été impliqué dans mon passé et même dans mon présent, y compris la fornication, la masturbation, la pornographie, la perversion, l'inceste, toute forme de fantaisie sexuelle, l'adultère et l'homosexualité. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise également toutes les malédictions d'adultère, de perversion, de fornication, de luxure, d'inceste, de viol, d'attentat à la pudeur, toute forme d'acte illégitime que j'ai eu à commettre dans mes relations sexuelles. Je renonce encore à la prostitution et je brise encore le pouvoir de la polygamie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Continuons nos prières de renoncement avec acharnement, détermination et agressivité prophétique. Prie avec moi. Je commande dans ce acte de renoncement à tous les esprits de perversion de sortir des lieux de mon corps où ils sont abrités, de libérer mon estomac, de sortir de mes organes génitaux, de mes yeux, de sortir de ma bouche, de mes mains, de ma peau. Je libère donc le feu du Saint-Esprit pour consumer tous ces esprits de luxure et pour détruire en moi toute forme de convoitise impure qui permet au pouvoir démoniaque d'oppresser ma vie. Ce soir, dans ce temps de renoncement, je casse tous les liens spirituels impies avec d'anciens amants, anciens partenaires sexuels et qui influencent ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, renonce encore avec moi. Je renonce à tous ces esprits qui me relient à ces relations sexuelles impies. Et je proclame ce soir que mes membres sont les membres de Jésus-Christ et non pas ceux d'une prostituée. Père, je te présente ce soir mon corps comme un sacrifice vivant, pur, agréable, pour faire ta volonté et pour t'appartenir totalement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 alléluia. Bien-aimés, après notre acte de renoncement, continuons la guerre. Dites à tous ceux qui sont autour de vous que la guerre fait du bruit. Et la parole qui va fonctionner comme un projectile spirituel, comme une bombe à neutrons pour neutraliser nos ennemis. C'est David, un guerrier expérimenté de prière, qui nous la donne encore. Psaume 5, verset 11. Psaume 5, verset 11. David dit ceci. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leur péché, sans membre, car ils se révoltent contre toi. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, médite sur la force
et la puissance de cette parole. Et n'oublie pas, avant de relâcher par ta bouche des paroles destructrices, que ce sont des proclamations sur des lèvres de foi et d'amour qui peuvent détruire les œuvres du diable. Et c'est justement pour cela que le christianisme a de tout temps été appelé la grande confession, homologia ou homologio. Et c'est pourquoi Paul dit en Romains chapitre 10, versets 9 à 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Lève la main d'autorité, n'oublie pas, si tu es dans un diocèse ou dans un pays où c'est la pratique habituelle, au conseil prudent de ton curé, d'utiliser les sacramentaux pour cette guerre comme moyen de l'Église pour nous aider à supporter notre combat spirituel, tu peux les utiliser. Feu du Saint-Esprit trois fois et nous rentrons en guerre. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, prie avec moi, n'oublie pas. Pendant toute cette semaine, nous attaquons les fondements. Prie avec moi. Tout autel de mort, toute cérémonie funéraire, cérémonie de veuvage qui me maintient à cause du pouvoir des autels et des fondations de famille dans la servitude, dans la pauvreté, dans la stagnation, ce soir, par le feu et la puissance du Saint-Esprit, sois détruit au nom de Jésus. Combat avec moi le bon combat de la foi. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, toute confrérie de sorciers qui ont entraîné des disputes, la gestion calamiteuse des héritages qui nous a dépouillés et entraîné la pauvreté dans notre famille, je commande que ce pouvoir de fondement soit dispersé par le feu du Saint-Esprit. Combat avec moi le bon combat de la foi. Jésus, toi, nous prions. Jésus, 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 prie avec moi. Répète ces paroles de guerre. Prie avec autorité. Parce que les anges ont leur commande. Il faut qu'ils sentent que tu es général d'armée. Quelqu'un qui peut suivre. Quelqu'un qui peut dire des paroles d'autorité, d'audace, de force, pour qu'ils puissent s'engager à la suite pour mener ce combat avec toi. Plus encore ensemble. Oh Dieu, tout pouvoir de fondement, les scarifications, les incisions incorporelles, les pattes de sang, les marques, les excisions, qui sont des moyens de pouvoir de fondement pour me maintenir sous un lien d'autel et m'exposer à toutes les pratiques démoniaques dans le seul but de contrôler ma vie et de détruire ma destinée. J'ordonne que tous ces pouvoirs soit consumé et anéanti par le feu du Saint-Esprit. Adonai Messie Katala Makados. Combattons le bon combat de la foi. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu qui répond par le feu, tout acte d'envoûtement, d'enchantement, d'ensorcellement, de magie noire, fait contre moi, je commande que ces actes de fondement soient anéantis et consumés par le feu du Saint-Esprit. Prions ensemble. Feu du Saint-Esprit, trois fois nous prions. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit.
par le feu. Toute forme d'initiation, faite de génération, faite des ignames, toute forme de libation, de moyens d'adoration, d'autel d'adoration dans ma famille et qui nous inflige des malédictions de mort, d'échec, d'endettement, de paralysie, de tension et de diabète ou toute forme de maladie par le nom de Jésus et par le ministère de l'archange Raphaël. J'arrête tes œuvres et je te consume par le feu au nom de Jésus. Combattons encore le bon combat de la foi en invoquant les saints archanges à combattre avec nous. Ensemble, Saint-Michel archange, Saint-Gabriel archange, Saint-Raphaël archange, priez avec moi maintenant. Oh Dieu, tout pouvoir d'adoration, toute pratique de voyance, de divination, Père, tous ces moyens de fondement qui combattent l'excellence de ma vie chrétienne et qui bloquent mes bénédictions, je commande par le ministère des saints archanges que ces pouvoirs soient exposés, renversés et calcinés par le feu du Saint-Esprit. Combat encore le bon combat de la foi. Prie avec moi. Jésus, trois fois nous combattons. Jésus, 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 prie avec moi. Oh Dieu, toute calomnie, médisance que j'ai proférée contre quelqu'un et qui combat actuellement ma vie par le sang de Jésus, j'annule ces calomnies et je déclare que le sang de Jésus brise ces malédictions autoproclamées au nom de Jésus. Combat avec moi le bon combat de la foi. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, tout esprit de fondement qui m'a fait entrer dans le vol, dans la fraude, dans la corruption généralisée dans ma famille et qui a entraîné la malédiction sur nous, je commande que le sang qui a coulé du côté ouvert de Jésus à la croix annule et arrête ces malédictions au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Restez sous les ailes protectrices de Raphaël et que la bénédiction vous visite même dans vos rêves. Que la journée de demain soit une journée d'épanouissement total. Nous nous retrouvons à 6 heures. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Attention, ce témoignage n'a pas pour but de faire la promotion d'un homme de Dieu ou d'un quelconque ministère, mais le but de montrer les œuvres accomplies par notre divin maître, le Seigneur Jésus-Christ, et de le révéler au monde comme Fils de Dieu et vrai Dieu. Pardonne pas sa mère à ton amour et je l'ai récupéré. Oh, j'ai quitté ce monde. Je ne veux plus, j'ai quitté ce Yaba. Impose mon nom, Yaba. Elle ne partira plus. Allez, allez, sors. Sors. Merci Seigneur. Je déclare que tu es libre au nom de Jésus. Elia, Elia, Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que
ta gloire descende. Na yo, na yo, na basse mort.